Waouh, j'ai vraiment l'impression que ça fait un an que j'ai pas streamé. Eh bien non, ça fait à peine qu'une seule semaine. Eh bien salut à vous les amis et bienvenue sur ce petit stream où on va débriefer eh bien de la PGW. Voilà, on vient de rentrer de cette PGW. On a accès à la bêta, voilà, d'Overwatch. Pourquoi se priver de débriefer et de jouer quand on peut faire les deux en même temps? Est-ce que ça, c'est pas génial? Voilà, j'en profite hein, pour vous saluer. J'espère que vous êtes installés correctement et que tout va au mieux pour vous. Voilà, ma petite voix, je pense qu'on peut lancer un petit hashtag Super Bruel. J'aimerais bien voir ça sur Twitter. N'hésitez pas, j'ai mon compte Twitter ouvert juste à côté. Hein. On va pouvoir discuter, vous allez pouvoir m'envoyer vos photos si vous avez des photos spécifiques à m'envoyer pour voilà, parler de votre expérience sur cette PGW. Et je vais tout de suite quitter cette partie qui était contre des bots. Et je vais lancer une réelle partie sur cette Overwatch. Overwatch, hein, quand vous avez testé toute la semaine sur le stand Rocket Eclipsia. Voilà, c'était souvent le matin de 9h à 11h. Et on vous a fait jouer, on vous a fait participer, on vous a fait gagner des lots, on vous a fait gagner du stuff Rocket. C'était vraiment pas mal, c'était le feu. C'était la première PGW, donc voilà, pour moi. C'était la première fois que je participais en tant qu'exposant à une grande convention comme ça. Et je peux vous dire, hein, ça a été énorme, c'était fantastique, ça a été 10 000 fois au-dessus de ce que j'espérais, 10 000 fois au-dessus de ce que j'attendais. Je peux vous dire, hein, j'ai passé une semaine de folie. Alors certes, je dois vous l'avouer, je suis content que cette PGW est quand même finie parce que, bon bah voilà, la fatigue s'est fait ressentir sur les derniers jours. C'était dur, c'était compliqué, on avait la voix qui lâchait, mais qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon de vous rencontrer, qu'est-ce que c'était bon d'animer cette scène, qu'est-ce que c'était bon de vous voir, hein, donner de la voix sur ce stand, qu'est-ce que c'était bon de partager cette expérience avec mes collègues, hein, voilà, d'Eclipsia. J'en profite pour remercier Eclipsia et Rocket, voilà, de m'avoir fait, eh bien, de m'avoir permis d'animer ce stand Rocket. Alors là, on est sur Overwatch, on va attaquer, on va choisir un perso. On peut essayer de jouer Tracer. Je suis pas très très bon avec, mais bon. Ah, on est toujours dans la, ah, on est toujours dans la recherche d'une game. Ok. Bon bah ça c'est bien. On va pouvoir discuter. Là c'est pas vraiment une partie. Hein. On est juste dans une sorte de partie de chargement. C'est-à-dire que voilà, là ils vont nous chercher un groupe de même niveau. Alors Yozulu, en effet, on sent que t'as plus de voix. Et oui, d'ailleurs, ils sont où mes strepsils? Merde, je les ai oubliés au bureau. Bon, c'est pas grave. Enfin, je les ai oubliés sur mon bureau. Oui, parce que je me suis dopé, hein, au strepsil toute la semaine pour essayer de garder ma voix. Déjà, ce matin, j'en ai pris quelques-uns. Et donc là, je vais tester, hein. Là, on est en escarmouche. Là, pendant qu'on discute, je vais tenter d'accéder à des points. Merde! De la carte. Ah, c'est bon. Avec Tracer, qui nous permet, hein, de dash et d'accéder à des endroits de la map qui sont peut-être inaccessibles pour certains personnes. En tout cas, je vois, hein, les personnes qui arrivent. N'hésitez pas à lâcher un petit RT sur le tweet que j'ai fait, ou le tweet, hein, d'Eclipsia, histoire de ramener du monde. Voilà, on a eu une semaine, hein, de PGW avec un stream un petit peu particulier parce qu'on vous streamait l'événement, hein, en direct sur Eclipsia. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Pardon. Pour les personnes qui ne sont pas venues, qui ont malheureusement pas eu la chance, hein, de se procurer des accès pour cette PGW, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment avez-vous vécu cette PGW? Du stream. Oh, c'est compliqué, il fallait que je saute. Ah, ok, le retour en arrière qui est suffisant ici. Zulu sans voix, ça devrait pas exister. Ah, t'inquiète pas. Ah, regarde, oh, on a fait de belles choses. On est toujours en recherche de partie. J'essaie de trouver des petits spots sympas à accéder avec Tracer.
Alors, Zulux, je t'ai vu à la PGW, votre stand était bien animé, mais je suis déçu. J'ai pu avoir qu'une photo avec Gibbs et personne d'autre de ses. Eh bien, écoute, désolé à toi, Rogue. Je peux vous dire, on a vu énormément de monde. On a fait énormément de photos. Et malheureusement, c'était compliqué hein, de satisfaire, entre guillemets, tout le monde. Voilà, on vient de rentrer en partie. C'était compliqué, voilà, de satisfaire tout le monde. On avait prévu des journées, enfin, une heure, en fait, à chaque fois en fin de journée. Pour mettre un créneau entre guillemets certain pour ceux qui voulaient avoir une photo ou qu'on leur signe un t-shirt, des tapis de souris, enfin bref, il y avait des personnes qui demandaient hein, de leur signer quelques objets. On l'a bien sûr fait avec plaisir, mais voilà, globalement tout le monde de s'est tourné autour du stand Rock 4. Après, on pouvait pas mettre tout le monde à disposition tout le temps sur ce stand, et du coup on mettait une heure par jour au moins, au minimum, où vous saviez que tel jour à telle heure vous allez pouvoir retrouver Melon, Gilles, machin, Max, Gilles, etc. En tout cas, on a fait vraiment du mieux qu'on peut. Je pense qu'on peut déjà un petit peu parler et un petit peu débriefer de ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois, on ne sait pas, mais bon, a priori, pourquoi pas, étant donné que pour moi, de mon côté, c'est un grand succès. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Solène, je ne sais pas ce qu'en pense Rocat, même si il faut le dire, d'après ce que j'ai entendu, ils sont vraiment contents et satisfaits hein, de notre performance et de notre animation sur ce stand. Donc on peut commencer à, pourquoi pas, s'imaginer une prochaine édition de la PGW avec vous. Alors là, j'ai Pixfar, hein, qui est un très très gros personnage DPS, là, qui envoie des roquettes et qui peut, voilà, hop, s'envoler en l'air, stationner avec une sorte de jetpack. Et du coup accéder à des endroits de la map hein, un petit peu inhabituels. Oula. Ok, j'ai réussi à prendre le kill. Ou alors le but hein, ici, c'est d'aller capturer capturer ce point. Pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Merde. Merde, j'ai mis ce clic complètement ici. Dites-moi, c'est la première fois que je stream ce Overwatch. Dites-moi si c'est fluide. Logiquement, ça devrait aller. Attention, on s'est contourné ici. Un kill qui a été pris sur moi de la part des adversaires. Et je suis qu'en 1-1. Voilà. Alors. Salut Zulux, ça me fait très plaisir de te voir à la PGW. Mais écoute, c'est vraiment un plaisir partagé. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me le signaler. Ça va péter. On va essayer de passer par là. Ok, là il y a une fatale, donc fatale, hein, qui est un sniper. Là. Alors on va essayer d'aller capturer ce point. Oh, waouh. Ah d'accord. Qui pose ces tourelles? C'est le nain? Est-ce qu'il y a un nain en face? Non, c'est pas le nain, c'est peut-être Bastion. C'est peut-être Bastion hein, qui m'a posé ça ici. Mon équipe a besoin. Alors. Le son est légèrement fort. Ok, on va baisser ça alors. Alors. Ok, on a capturé l'objectif A. On a 8 minutes hein, pour attaquer le B. On peut espérer hein, que ça le fasse. Mais je connais pas encore les maps par cœur. J'ai très très peu joué à Overwatch. J'ai joué juste peut-être une heure au grand maximum durant cette PGW au cumulé. Et j'ai joué un petit peu hier, genre 2 ou 3 heures. Donc je suis encore un gros noob hein, sur ce jeu. Mais bon, au moins j'ai la chance hein, de pouvoir jouer. On va essayer de passer par cet interstice. Ok, ok, il y a du monde qui nous attend à la réception ici. Un bastion ici. On va essayer de le contourner. Alors Bastion, où es-tu? Elle est là, Bastion. Ok, le petite recharge. Oh, le chopper là qui m'a complètement désintégré.
Alors je me souviens encore quand Max, il a dit à une fille qu'elle avait un cosplay de Nidalee alors que c'était Diablo. Alors ça c'est dramatique. Quand tu fais du cosplay et qu'on reconnaît pas ton personnage, tu es déçu. Tu es déçu moi-même. Hein. J'ai déjà fait un cosplay Tryndamere. On était venu me voir à la Japan Expo, on m'a dit oh, s'il te plaît, je peux venir prendre une photo avec toi, s'il te plaît. J'adore complètement. On m'avait dit quoi? On m'avait dit Skyrim. On m'a dit oh j'adore Skyrim, c'est trop bien. Alors que bon, j'avais un cosplay de Tryndamere. C'est dommage quand même. C'est dommage. Oula, le Enzo ici qui fait très mal. Très très gros. DPS, attention, ici je m'enferme peut-être. L'Enzo qui ulti et qui vient à bout de ma Pharah. Attention, on a vu que j'avais mon ulti aussi. Deux éliminations, un coup fatal. Donc les coups fatals, ce sont les CS un petit peu. Enfin, c'est-à-dire les éliminations. C'est le nombre de kills sur lesquels vous avez participé. Donc en gros, le nombre d'assists. Et coup fatal, ce sont complètement les. Oula, j'ai quelques frises. Ce sont les. Les coups fatals. Les coups fataux. Un coup fatal, des coups fatals. Oui, c'est bien ça. Attention, j'ai mon ulti ici. Place aux éloges de la justice. Mais elle meurt pas. Ah, si, elle meurt. Elle meurt. Attention, gros ulti de ma part. Oula, il y a un bastion ici qui prend une ligne. Voilà, c'est fait, c'est tué. Et c'est qui pose ça? C'est le Bastion encore une fois, je pense. Je pense. Éliminé par Symmetra. Je connais pas encore bien les personnages. Est-ce qu'on vient de gagner? On vient de gagner. On peut s'applaudir, s'il vous plaît, sur le stand Roca. C'est ce que j'ai dit toute la semaine. C'est exactement ce que j'ai dit toute la semaine. Tiens, il y a un mec qui s'appelait Zelda. Attention, l'action de la semaine ici par Osé. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'action de la semaine, l'action de la game. Il y a un premier kill ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous charge une AOE. Ah, c'était peut-être un ult. J'ai pas bien vu, je connais pas ses compétences. Et on est dans aucun des tableaux. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tiens, pour l'instant, de cette Overwatch? Bien, pas bien. Envie d'y jouer? Ça vous passe au-dessus? Dites-moi un petit peu. Alors. Et sinon, le Enzo ennemi, c'est ton pote. Je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai absolument pas fait gaffe. Alors, est-ce qu'il y a des hashtags super bruel sur Twitter? Alors. Après ce que j'ai vu sur votre stand, ça fait grave. C'est vrai que là, c'est pas mal. On attaque encore une fois. Allez, je vais reprendre une fois, encore une fois, et après je vais changer. Oula, il y a deux Maku là. Maku, apparemment, ce serait le perso le plus fumé. Hein. Cassez-la! Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bah, écoute, on a donné notre voix avec Max toute la semaine. J'ai aucun regret sur cette PGW. J'ai tout donné, je me suis amusé. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère ici. Alors, préparez-vous à attaquer. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ah, on doit faire avancer le convoi, je pense. Alors, il y en a un, il a dit aussi nul que Team Fortress. Ah ouais, tu... Zobeu, ça te fait absolument pas envie. Eh bien écoute, chacun son choix, chacun ses goûts. Le stuff Rocat était bien conséquent. On a eu énormément de lots à vous donner. Mais franchement, tellement de lots à vous donner. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de claviers, de souris, d'écouteurs, de casques à distribuer. Il y en a tellement eu. C'était incroyable. Alors... T'inquiète pas, Nibalix, ça arrive. Ça arrive, Nibalix. On a eu Thomas, un videomaker ici qui nous a accompagné pendant toute cette PGW. Et il va vous faire ça, ça va popper sur le YouTube, ne vous en faites pas. Voilà, allez, faut qu'on fasse avancer le convoi. Par contre, je crois qu'on n'a pas de tank. Ah, si, on a un chopper.
Et c'est pas mal, on commence déjà bien à le faire avancer des fois. Hein. On a tellement du mal à peine sortir de notre spawn sur cette carte. C'est incroyable. Ok, un Maku en face ici. On va aller chercher une fatale. Ok, ça prend le kill. On va continuer à avancer. Alors le problème, hein, c'est si je suis pas exactement sur le convoi, je peux pas... Enfin, je le fais moins avancer. Allez, on va descendre. On va essayer de le pousser. Hein. Ce qu'on voit, c'est le mole penetrating. C'est comme au rugby. Toute l'équipe derrière, on le fait avancer. On pousse, on pousse, on pousse. Allez, le Enzo, là. Je vais aller chercher. Oh, attention, ils sont deux ici. Ouh. Et je me suis fait complètement désintégrer par la fatale. Hein, de l'autre côté de cette carte. Dommage. Dommage, dommage. Bah là, néanmoins, on le fait tellement avancer ce qu'on voit là. Allez, allez, les gars, il faut pousser. Il faut venir, il faut pousser là. Ok, on a une tresseur ici, donc perso très très mobile. Allez, néanmoins, s'ils viennent pas nous chercher, nous on fait avancer le colis. On va aller l'amener. Eh bien, où on doit l'amener, tout simplement. Alors, vise plus les pieds, Ozloops. Ok, on va voir ça, on va voir ça. On a beaucoup de DPS hein, dans cette team, on a un seul tank, je crois. On a un support ici. Ok, ok, waouh. On a une ligne hein, qui est complètement prise ici par la fatale adverse. Oh, elle m'a shooté en l'air. J'ai cru que j'allais la surprendre en me mettant en l'air. En mode elle me verra pas, et non elle m'a vu juste dépasser. Et boum, c'est le headshot. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, c'est pas, on s'en fout, façon un petit peu du KDA. Ce qu'on veut, c'est tout simplement la win. Alors. Et il faut vraiment qu'on les attende. Hein. Sur ce qu'on voit. Ah, il nous faudrait un Reyna. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le tank avec son gros bouclier. C'est vrai que c'est un must-have hein, sur cette carte. Ok, on a eu du temps supplémentaire ici. Oula, il y a un ulti de Enzo qui fait énormément de dégâts. Allez, je suis toujours sur ce qu'on voit. On va continuer à le faire pousser ici. Oula. Oula, attention. Attention, on arrive dans un espace ici compliqué hein, parce qu'on va complètement être à couvert sur ce qu'on voit et les ennemis vont être bien cachés en hauteur. Voilà, c'est un petit peu la difficulté de cette carte. Attention, je prends un premier kill ici. Allez, allez, allez. Ouh. Et je rappelle, hein, on peut taper au corps à corps. La touche bindée de base, c'est V. Ok, il y a une fatale, je vais pas aller la brancher, on a vu hein, qu'elle m'a plus ou moins dégommé. Oh, oh, oh non, j'avais une ligne là pour mon ulti. J'avais une ligne pour mon ulti, c'est dramatique. C'est dramatique. Et oui, je vais ulti. Oh, j'avais tellement une bonne ligne là. C'est dommage. C'est dommage, allez, on est pas mal pour l'instant quand même. Alors... Ok, on a gagné. Alors, ok, il y a eu un petit ban hein, placé dans le chat. Ok, l'action de la. Oh, c'est sur moi. Oh, c'est sur moi. On voit la fatale ennemie qui va prendre ici un kill. Voilà, un deuxième en place sur mon front. Elle utilise son ulti et elle reprend la ligne. Mais l'action s'arrête ici. Alors.
Je sais pas à quoi ça sert encore de mettre des up. Grandiose. Je sais pas pourquoi j'ai mis oser. C'est cool. C'est cool. Alors 38% de précision à l'arme, moyenne 45, donc c'est pas dingue. On n'a pas mis énormément de dégâts. Alors, c'est pas une très très bonne partie. Après, la partie a été très rapide parce qu'on a joué l'objectif. Donc est-ce que c'est pas ok. Alors. Oui, toujours sur Strepsil. T'inquiète pas. Ah, j'ai oublié ma boîte. J'aurais bien aimé la montrer là, en live. Préparez vos défenses. Alors, préparez vos défenses. Tiens, on va prendre une fatale. On va prendre une fatale. J'aime beaucoup. Donc, fatale, un sniper. Un très très bon sniper. Qui possède un grab pour aller prendre les hauteurs. Ou alors se déplacer rapidement quand elle est en 1v1. Attention, on n'a pas de tank. Est-ce que le last va prendre un tank? Donc on voit aussi hein, que les persos sont classés par attaque, défense, tank et soutien, tout simplement. Attention, ici on a un Reinhardt, voilà ici. C'est ce gros perso avec un énorme bouclier et une grosse masse. Alors, on va aller se préparer pour défendre, c'est la même map. Où est-ce qu'on va se mettre cette fois-ci? Je la connais pas vraiment en défense. On va essayer de se trouver un spot sympa. Histoire d'aller mettre des bonnes balles de snipe. Dans la bouche de... Oh merde, ils peuvent... Ah, ils peuvent spawn de là. Dans 30 secondes. Oula. Où ils vont arriver? Parce qu'apparemment il y a une porte par là, je ne savais pas. Je suis peut-être un petit peu trop exposé là. 5, 3, 2, 1. Les attaquants. Alors, est-ce que ça arrive par là? Arrêtez le convoi. Okay, apparemment non. Apparemment il passe par là, hein, je pense. J'ai un prix. Oh, mais c'est absolument pas par là, Zoulou. Zoulou. Mais je me suis paumé. Je me suis complètement paumé. Ça, c'est très très bon. Hein. Ça, c'est du Zoulou. Mon dieu. Le mec est là. Oh, ouais, on va attendre là. Ça va être bien. Oh non! On a raté le kill ici, il n'y a pas grand chose. Allez, remonte ta petite tête, Enzo! Allez, un petit kill au cac. Allez, salut! Oh, c'est compliqué ici! Attention! Ah non, c'était compliqué. J'avais plus de mobilité. Je récupérais mon grappin dans une seule petite seconde. Alors, Zoulou, tu as eu le numéro des deux meufs de Rocket? Non, absolument pas, absolument pas. Elle était sympa, elle était sympa. Je me fais démonter. Il faut peut-être que je me recule hein, ici. Que je joue un petit peu plus loin. Là je suis au corps à corps, c'est pas bon, c'est pas la bonne technique. Et oui, hein, vous avez été nombreux à nous demander le Twitter, le Facebook ou enfin des infos hein, tout simplement sur les hôtesses de Rocat. Et malheureusement, j'avais lancé un call. J'avais dit à 500 RT. Je balance leur Twitter. Et apparemment, vous n'êtes pas assez motivé. Il y a eu seulement 300 RT. Du coup, c'était drôle. J'ai pris une photo avec elle et je l'ai postée en arguant Jérémy Tila, voilà, qui m'avait lancé le défi. Bon, alors, on va essayer de faire des kills là, peut-être. Ah, apparemment, je suis mauvais. Oula. Ah. Ça se passe absolument mal là. Ça se passe absolument mal. 2-0-3, c'est nul. On va changer de perso. On peut changer à tout le monde, hein. Ça c'est bien.
J'avais rendez-vous avec la mort. Quoique fatal, allez, je vais encore faire un essai. Alors, ton avis professionnel sur l'atout commercial que représentait le fait de placer des réseaux sociaux sur les fesses des jeunes demoiselles de Rocat. Alors, je trouve ça un peu con. Je trouve ça un peu con. Après, ça en dit long, hein, quand même, sur l'évolution de la société aujourd'hui. Sur comment la femme est représentée et utilisée simplement dans la société. Enfin, nous, quand on a vu ça, c'est vrai qu'on a trouvé ça quand même un peu... On en a rigolé, quoi. On n'arrive pas à les arrêter, c'est pas bon. Alors regardez ce tank qui est fabuleux, pourquoi? Parce qu'il donne des boucliers, tout simplement à ses mates. Et je me fais défoncer. Alors qu'est-ce qui nous manque dans cette team? On a un tank. On a du soutien. Déjà j'aurais dû activer mon ult. Ouais, je suis pas assez mobile. Alors on va activer l'ult. On va voir si je change de perso juste après. Si ça fonctionne. Alors on va tester Enzo. Chaque mort. Ah, je crois que ça ne marche plus du coup. L'honneur est source de rédemption. Alors. T'as changé de micro, ta voix est bizarre. Comment te dire ? Tracer qui fait tellement mal. Enfin, elle fait pas tellement mal, mais elle est tellement dure à choper ici. Contre Enzo. Oh ! Dans sa bouche. Dans sa bouche ici, c'est pas mal, attention. Là, oula, elle est où ? Il faut qu'on arrive à les arrêter. Allez, Enzo qui va arriver. Ça c'est pour toi. Meurs. Allez, meurs. Et le convoi qui est arrêté ici. Allez, on a encore le tank ennemi qui vient nous poser quelques problèmes. Oula, ça je l'ai pris absolument dans la bouche. Allez, c'est pas mal là. C'est pas mal, faut qu'on continue ce qu'on est occupé de faire ici. Allez, j'ai un ulti. Il va falloir que je le place correctement. Attention, il ne faut pas tomber contre la tresseur ici, c'est compliqué. Ok, ça ult. Allez, salut à toi. Ok, j'ai eu que deux persos. Allez, c'est pas mal, on arrive bien à défendre ici. Ouh. Et au final, avec Enzo, je me débrouille pas trop mal ici pour défendre. Attention, on vient se prendre la pression de la part de la tresseur ennemie. Regardez comment je suis censé faire pour la toucher, moi. Comment je suis censé faire vraiment pour la toucher ici. Attention, c'est compliqué. Allez. Oh. Dommage, 7 victimes à la suite. C'est pas trop mal, je suis occupé de remonter, hein. Mon ratio ici. Alors... Les vidéos de Trackmania, quand passer les viewers, seront-elles sur YouTube? Je ne pense pas. Alex59. Je suis désolé, pardon. Je sais même pas si ça a été record en fait, pour tout te dire. Allez, attention. Il faut tenir encore 60 secondes, on l'a attendu ici. Ça prend un premier shot ici. Et là on tient bien. Oh. Oula, le mauvais ricochet. Allez, le Renard qui va ici me permet de prendre la ligne. Allez, si on va voir. Si normalement ça nous permet de voir les ennemis. Ne les laissez pas gagner. Bah, ils sont où là? Ils sont où? 18 secondes, ça devrait complètement le faire.
Non, il est en bêta Overwatch. Oula, attention, l'assaut ennemi. Le dernier assaut, le baroudonneur des ennemis, mais ça risque d'être un petit peu juste. Attention, la tresseur qui vient essayer de me contourner. Et on gagne. Début de partie très très compliqué, mais on voit qu'Enzo ici a fait l'affaire. Ça s'est vraiment très très bien passé là. Alors. Alors, action de la partie à part de Makpo. Alors, un premier kill ici. Ok, l'ult qui est sorti. Et ça fait un doublé, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Est-ce que le JDR va reprendre? Je ne pense pas, pas encore. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'info. Donc, je peux pas vous dire si c'est le cas ou pas, etc. Alors. Oui, donc Overwatch hein, qui est en bêta, c'est compliqué hein, pour y jouer, il faut un accès bêta, il n'y en a pas beaucoup. Même si, bon, petit à petit, Blizzard en donne toujours un petit peu plus, mais il n'y en a pas énormément. Juste après, on va retrouver Chap pour l'Eclipsia Challenge, qu'on a fait tous les jours sur ce stand Rocket. Je peux vous dire, on s'est amusé, j'ai eu des belles surprises. On a essayé de cutter mes maps, ça c'était pas mal. Mais ça n'a pas suffi. Globalement, sur la troisième carte, donc la map Marais Salant, les mecs ont quand même galéré. Tandis que sur la quatrième map, à mon avis, il y a eu de très très bons temps. On a eu un temps à 1 minute 04 qui était battu. Alors que je vais regarder ça sur mon téléphone. Mais je pense que le meilleur temps de nos chers streamers est d'une minute. 1 minute 7 je crois de Valouz. Alors Valouz qui a fait 1 minute 14. Eh oui, 1 minute 14 alors que sur place vous avez fait 1 minute 4. C'est quand même pas mal. Le CTL reprend aujourd'hui. Hein. Ça reprend aujourd'hui les gars. Est source de rédemption. Alors. Alors Enzo qui court. À une vitesse assez bonne, mais qui n'a pas de sort de visibilité. Alors, flèche sonique révèle les ennemis pendant un court instant à l'impact. Arc tempête. Ah, il a un passif pour monter au mur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. C'est-à-dire, si je fais ça, ça marche. Ah, c'est utile, du coup. C'est quand même utile. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ah par contre là c'est trop haut. Allez, on doit défendre le point. 5, 3, est-ce que je peux monter 2, tout en haut? Oh, ça va être compliqué. Défendez l'objectif A. Ma puissance grande. Oh, c'est compliqué hein, ici d'aller toucher. Peut-être trop loin. Oh, ça touche. Ça touche de ce côté-là. Et montre-toi, prends la ligne. Je pré-shot. Ok, ça passe ici. Une tresseur qui se montre. Oh, j'ai pris un kill avec. Avec les flèches rebondissantes. C'est pas mal. C'est compliqué hein, d'aller toucher une tresseur. Ok, le Enzo qui a pris le meilleur sur moi. Alors d'un côté on a le tank Frozen, donc avec sa coupe violette là. Ah, ça s'appelle pas comme ça, c'est le nom du joueur qui la joue. On a le créateur de tourelle, donc le nain. On a Soldat 76 qui est un perso assez polyvalent. Tout à droite. Puis on a du snipe. Alors. Zulu que ça l'idée de 2017. Attention, ça va essayer de passer sur le point. Faut tenir, faut défendre. Oh non! Quoi? C'est encore lui là! Oh, je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je dois laver mon honneur. Yuga Wagateki Okuro!
Ok, on a un ulti du Enzo adverse qui vient d'être fait, on l'a entendu au bruit, au son. Alors là, normalement, je devrais réussir à monter ça. Oula. Apparemment, non. Ah, il y a juste le panneau qui m'embête en fait, c'est ça. Ah, ils sont occupés de capturer. Allez, il me faut mon ult, il faut que je touche, il me faut mon ult. C'est parti. L'ulti. C'est parti l'ulti. Il n'y a qu'un seul kill qui a été pris, c'est dommage. Ok, résurrection, allez. Allons directement dans la fight. Allez, encore un kill ici. Allez, Enzo, je l'aime pas ici, je l'aime pas l'Enzo. On va essayer de profiter des heals, hein. Du soldat 76. Compliqué. Ah, je pensais tellement que l'ulti allait faire plus mal. Mais je l'ai mis un petit peu dans le mur, j'aurais dû le mettre un petit peu plus vers la droite. Je ne serai pas vaincu aussi facilement. Marqué par le dragon. Oula. Mais non, mais meurs! Non! Mais meurs! Mais il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort que moi. Je me suis un petit peu précipité sur mes flèches. Ah, j'ai cru qu'il m'avait eu au corps à corps. Même pas. Utilise tes flèches multiples au cac. Ok. Genre, je les mets juste en dessous. Ah, j'ai remonté l'ulti. Ça c'est pas mal pour dégager un point. Dans ma lune de mire. Je ne serai pas vaincu aussi facilement. Par contre, c'est long hein, de se déplacer avec Enzo. Après, il y a des persos qui. Il y a un perso soutien, je sais plus lequel, qui permet. Qui permet de faire des portails. Tout simplement pour. J'ai été trop gourmand. Faut que je me cache. C'est dommage. Donc on va revenir un petit peu sur cette PGW. Quel a été votre meilleur souvenir de cette édition 2015? Est-ce que c'était votre première fois à la PGW? Est-ce que vous êtes venu sur le stand Rocket? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Profitez hein, de ces instants pour nous faire nos retours. Pour faire vos retours pardon sur le chat. Ok, on a un ulti Enzo qui était pop. Moi j'ai toujours le mien. Je le garde hein, au cas où ils sont tous sur la zone. Et je peux faire un multi-kill. Ok, apparemment ça a défendu. Regardez à travers les yeux. Ok, j'ai réussi à monter. Allez! Oh, attention, je suis peut-être occupé de faire hein, le clip. Alors, est-ce que ça va être le clip de la game? Il était pas mal cette ulti, attention, est-ce que je. Et non, dommage. Dommage. Ouh, j'ai ulté bien deux ou trois personnes là. Presque ça va réussir pour faire le kill. Dommage. Dommage, ce Enzo hein, qui me bat une nouvelle fois en 1v1. Oula. Oula, oula. Oh, ça fight! Ah, il me faudrait un ult! Oh oui! Non, j'ai pas pu faire l'ult! J'ai pas pu faire l'ult! Non! J'ai pas pu faire l'ult! Et c'est la défaite! Non, il m'a manqué! Il m'a manqué pas grand chose là!
Il m'a manqué pas grand chose. Action de la partie. Allez! Bon, j'ai fait qu'un triplé. Il y a mieux. Parce que derrière, j'aurais pu prendre encore plus de kills. C'est dommage. Et je suis même pas dans ce tableau ici. Allez, je vais promote les gens de ma team. Je sais pas ce qu'il a fait vraiment. 20 éliminations. Participation aux 65% des morts de son équipe. Ça va. Qu'est-ce que mort de Kaiser fout ici? Pas mal. C'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble. Allez là. On est sur 2 défaites d'affilée. C'est dommage. Alors. La partie qui va se lancer. Il y a quoi comme mode de jeu? Il y a des captures de position, il y a des modes de jeu où il faut faire avancer des points. Alors, est-ce que ça prend un tank, ça prend pas de tank? Je vais en choper un. Ça c'est pas mal. Tracer, je suis pas ultra fan. C'est la même map, hein. Cette fois-ci, on va attaquer. Ton perso préféré au final, Enzo? Enzo, absolument pas, parce que c'était la première fois que je le testais. Première fois que je le jouais. Allez, ça a pris une fatale en attaque. Bon, je suis pas... Je suis pas convaincu. Tu vois, on va sortir par ce côté-là. À quoi que je crois qu'on peut encore monter par là. Ah non, absolument pas. Oh, excusez-moi pour ces quelques difficultés au niveau de ma voix. Mais il va falloir quelques jours pour qu'elle se remette de cette utilisation intensive à la PGW 2015. C'est complètement ouf. J'ai pas vraiment de perso préféré sur Overwatch. Enfin, j'en joue plus que d'autres pour l'instant, mais je vais essayer de varier un petit peu les champions pour pouvoir tester, pour pouvoir les comprendre, connaître leurs capacités et pouvoir les contrer déjà. C'est une première chose à faire, je pense, quand on arrive sur un nouveau jeu. Alors, faut faire attention parce que des fois, il y en a qui nous attendent ici. Ok, non, il a pas pu. Qu'on a vu la Tracer qui passe ici directement sur le côté. Oh, par où mène cet appartement? On va essayer d'aller voir ça. Ok, ça mène vers une hauteur. Ah, elle a atteint ça. D'accord, elle est passée par là. La Tracer qui va certainement aller essayer de choper le point en passant derrière les lignes ennemies. C'est pas mal. C'est une bonne technique. Ça va les obliger à revenir en arrière pour la tuer. Et ça nous permettra de nous faire avancer. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Bon, allez, meurs, toi! Il meurt pas. Il ne meurt pas. Oh, est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'ils m'ont vu? Ok, je vais les obliger du coup à back. Et comme ça va pouvoir faire avancer mes collègues. Allez, j'essaie surtout de survivre avant que pendant que mes collègues arrivent. C'est pas mal ce qui se passe ici. On est occupé d'aller chercher ce point. On prend le kill et on va sécuriser la zone. Normalement ça devrait passer. Attention, un kill, un nouveau kill ici. Attention, il y a le Bastion qui s'est positionné. La Pharah qui nous passe par derrière. Au final c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a vu qu'ils ont fait une défense haute sur ce point. Je les ai contournés, ça les a obligés à se retourner. Mes collègues ont réussi à rentrer. C'est ok. Attention, en plus je vais bientôt avoir mon ulti. Encore quelques secondes. Ils m'ont pas vu. Je savais
Et je vais aller prendre le point. Place au déluge de la justice. Allez, peut-être un deuxième. Non, pas de deuxième kill. Et on va sécuriser le point. On va pouvoir aller attaquer le point. Mais c'est pas mal. Allez, encore 7024. Oula. Oh putain. Oh, le coup de snipe qui s'est pris, lui. Il a pas dû kiffer. Regardez, on va essayer de les contourner par la droite. Comment? Comme cela. Oula, attention, il y a la tresseur qui nous attend ici. Alors, on va essayer de l'esquiver. On passe par ici. On va arriver dans leur dos. On va arriver dans leur dos. Ok, il y a le bastion ici. Oh! Oh, ok, il y avait des gros tanks qui m'attendaient ici. Il y avait des gros tanks. Mais de manière générale, j'aime bien contourner les lignes adverses, arriver dans leur dos. Les kills sont déjà plus faciles. Ensuite, ça les oblige à encore reculer. Et ça permet de libérer de l'espace pour mes potes. Et c'est pour ça que Pharah est pas mal. Et la tracer qui va vouloir prendre un kill ici. Ça ne va peut-être pas passer. On va essayer de l'empêcher. Attention, c'est compliqué. C'est rapide, c'est mobile. Il faut la toucher, hein, cette tracer. Oula. C'est rapide, hein. Overwatch, ça va très très vite. Attention, on arrive derrière eux. Est-ce qu'ils m'ont vu? Ok, ça a été vu. Je peux pas y aller tout seul. Je vais prendre un tank. On va changer, on va prendre Reinhardt. Et on va go. Zoubou, il préfère y aller pas. Mais non, mais en vrai, si tu passes par derrière, c'est mieux pour ta team. Enfin. Oh, et puis merde. Allez, on va y aller par la porte d'entrée cette fois-ci. Hey, j'ai besoin d'aide là. Je prends tellement cher. Oh, purée. La tresseur, hein, qui a réussi à revenir sur le heal. Je pensais que ça aurait pu le faire. Ah, j'ai encore du mal, hein, à contrôler son dash à Reinhardt. Allez, viens là. Oula. Oula. Et le kill qui a été pris. Allez, faut avancer là, c'est maintenant. Allez, on voit, hein, qu'il y a mes collègues juste derrière. C'est le moment, faut y aller. Yo. Merde. Allez, on pousse. Et merde, il y a le bastion, hein, qui fait son taf ici. Regardez comment les placer. Il faut aller chercher là. Il faut un perso mobile qui le contourne. Non! Non. Meurs. Allez, meurs. Oh là là là, il faut contourner ce bastion. Il est trop bien placé. Il est trop bien placé. Et résurrection, c'est pas mal. C'est pas moins le néanmoins ici. Allez, néanmoins ici. Ils peuvent pas m'avoir. Attention, le point qui va être capturé, c'est pas mal. Et c'est la victoire normalement. Attention, le point est disputé. Attendez, ça va pas le faire.
ça va peut-être pas le faire ici, hein. Oh purée. Oh purée. Oh non. Non, on est occupé de le perdre, on est occupé de le perdre. What the fuck, c'était quoi ce combat? Allez, faut y aller là. What? Allez, on est occupé de remonter mes PV ici. Ça prend le kill. Incroyable, incroyable. J'ai encore un ulti. C'est dommage, il nous manquait pas grand chose hein, ici pour gagner. Oh. Victoire, pas mal. Pas mal. Merci à toi Rogue. Le changement c'est maintenant. À l'action de la partie. À Crane, avec Faucheur. Ok, très bel outil. Un point kill, un deuxième kill, un troisième kill. Ça recharge et... Et le clip s'arrête ici. Allez, moi je vais me EP moi. Voilà, comme quoi, des fois on prend un tank et ça va, et ça passe mieux hein, directement. Alors, les quelle heure? Il est 56. On va devoir faire la pause juste avant l'Eclipsia Challenge avec Chapon de Cas. J'espère que ce petit débrief hein, vous a plu. N'hésitez pas à encore m'envoyer des messages pour nous dire ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Etc. Alors, je fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans un instant pour l'Eclipsia Challenge avec Chap. A tout de suite.